Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode combien en fait? Je sais pas. Bon, surtout pour un épisode de carrière suivi, on sait pas lequel. Ça doit être le 5 ou le 6. Donc, on se retrouve pour la suite de la carrière sur la map Holozoïne. Donc, carrière suivi et farming, un classique, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Pour une moisson. Pour une petite moisson tranquillement, en mode RP. Voilà, donc c'est pas comme si Galaxy Online avait oublié de ramener la case. Et c'est pas comme si j'allais le faire tout de suite. Voilà, mais je déteste la téléportation, en fait, tu vois. Ouais, mais je vais pas y aller à pied non plus. Étant donné que t'as besoin du SMI... Bah, t'aurais pu prendre que le SMI et laisser la remorque. Donc, ouais, est-ce que un petit contrôle, le son est bien à 10%? Alors, la barre de coupe de la case, tu l'as mis où? Tu l'as mise où? Je sais pas, aller dans la ferme. Mais je sais pas où. Bah, je vais la chercher. Bon, j'active la coupe en andin, comme ça, si on a le temps, ben, on se fait même des bold pie. Mais très bonne idée, très bonne initiative. Et on commence tout de suite. Donc, activer la machine B. Super. Alors. On va tout de suite enlever F1 parce que ça va s'énerver, voilà. Donc, les amis, on se retrouve après la rentrée. Donc, nous, on est en seconde. Ils ont 133 et 11 secondes 10. C'est vraiment cool le lycée. Hein. Ouais, c'est comme carrément ça. Autre chose. Moi j'aime bien, c'est pas du tout la même chose que le collège. Ouais. Donc on a été absent souvent pour les vacances. On s'excuse. Hein. Ouais, bah faut. Parce qu'on est parti en vacances, on a tourné le film, on n'a pas eu le temps, on n'avait pas les ordinateurs, on n'avait pas. J'ai déménagé, enfin voilà. Puis là, à la rentrée, on avait pas mal de trucs à faire et surtout Galaxy Online qui finissait de déménager. Ouais, puis la mise en place toujours. Bah, je suis toujours en train de déménager, puis la mise en place du lycée, tout ça, c'est un petit peu dur. On pouvait pas faire des vidéos en même temps et jouer la semaine, donc voilà. C'est pour ça qu'on va essayer d'en faire plusieurs d'affilée, là, comme ça fera un stock. Ouais, et puis les vidéos elles vont recommencer peu à peu. Donc tous les deux jours, on va essayer. Hein. Ouais, on va essayer de tenir le rythme. Donc voilà. On va sortir une petite vidéo bonus. Et de toute façon, ouais, une petite vidéo bonus. C'est une nouvelle catégorie que je viens de créer sur la chaîne. Elle est pas mal. Et de toute façon, si on n'arrive pas à faire de vidéos vraiment comme ça, posées, longues, on fera des toutes petites vidéos, genre des tutos, des trucs comme ça. Ouais, des vidéos cool. C'est ça que j'ai bien, c'est que wow. Ça prend pas du tout le temps à upload. Oups là. Alors, la barre de coupe, ben, elle est ici. Alors, on va aller la chercher. Alors, faut pas que je fasse la même gaffe parce que je suis tombé hier, en fait. Je me suis dit, oh, je vais peut-être commencer une vidéo, puis non. Et j'étais tombé dans le... Oh, ça va être galère après. Mais après, il marquait... Votre véhicule, je sais pas quoi, vous enfoncez pas plus dans l'eau. Du coup, bah après, tu vas le réinitialiser. Voilà. La galère. Ah ouais, non, la barre de coupe, elle est plus. C'est un champ quand même assez conséquent, je trouve. C'est le champ combien? 33. Ah ouais, pas mal, ouais. Alors, la barre de coupe, en fait, elle est. Ouais, ici. Ouh la mince, c'est pas du tout RP ce que je viens de faire. Elle est là en fait. On l'avait mis le long d'une route parce que. Bah parce qu'elle rentrait pas dans le bâtiment. Ok, c'est parti pour aller la chercher. Donc on s'excuse aussi Valentin si on est moins présent parce que voilà. Pour la raison que je viens de citer. Ouais. Parce que bah ouais, c'est. Valentin nous sollicite souvent sur Skype. Parce qu'il nous trouve des modes pour la chaîne. Et... Mais bon, lui aussi finira par être en seconde. Il comprend. Hein. Ouais, bah même la troisième. Alors, la barre de coupe, c'est parti. Ok, alors, on va accrocher ça. Mince, c'est pas du tout RP ce que je veux faire. Je rentre dans par le champ. Par contre, t'avais oublié de laver la mouse bête, hein. Bah, la laver, on s'en fout. Elle est crade de chez crade. On allez, c'est parti. Après les travaux, on lave. Alors, on lave pas avant. Bah, donc, voilà pourquoi tu l'avais pas lavé. Parce que j'avais pas fait les travaux. Bon, allez, c'est parti. Parce qu'on avait fait le champ à côté aussi, là, le 30, non? Le champ 30, ouais, je m'en souviens encore. Il était énorme. On avait... Et tu l'avais fini tout seul, je crois. J'avais fini Valentin, je sais pas. Alors, on va mettre. Plein de monde est passé dessus avec le transbordeur et tout ça.
Ah ouais, hein, avec le transbo, ouais. Allez, c'est parti. On va par contre se caler à 15, ça va être bien, parce que là. Elle Oh est la longue à vache. vider, la New Holland. De quoi? Elle est longue à vider, la New Holland, je trouve. Je sais pas. Non, si, ça fait quand même 30 secondes, je crois, au moins, que je vide. Bah, je sais pas, elle a une trim de combien? Pas mal, je pense. C'est sûr. Comme Oh, j'ai des pareil. mods, ça bug tout le temps, le... Pareil. J'ai eu un coup de lag aussi. C'est parce que t'as mis fréquence d'émission toutes les 5 minutes. Ah mince. Faut mettre never. Capacité 14 tonnes 5. Ah ouais. Ouais, quand même. Ouais, donc je mets quoi Bah là, tu vas dans échappe et fréquence d'émission, jamais. Fréquence d'émission, aucune mission, hein, moi j'ai. Voilà, c'est pareil. Non mais je l'avais déjà comme ça en fait. Ah bon? Bah non, moi je voyais toutes les 5 minutes. Voilà, aucune mission maintenant. Mais je voyais toutes les 5 minutes. Hein. Ok, merci Farming et ses bugs. Ah, je te jure. Allez, on est reparti. Je suis en train d'arriver là. On essaie les vues intérieures, ouais. Et donc en fait là tu fais quoi? Tu fais la fourrière? Hein? Tu fais la fourrière du champ là? C'est quoi la fourrière? Ou t'as déjà fait les allers-retours? Bah la fourrière c'est le côté du champ quoi. Ah non, j'ai pas encore fait la fourrière. Enfin, j'ai pas fait de fourrière. Bah je vais peut-être faire un détourage. Hein. Si tu veux. Bah si après c'est mieux parce que après t'as plus de place pour la manœuvre Mais le quand tu dois problème, faire un c'est détourage. qu'on essaie de jouer RP et on a des andins. C'est-à-dire? J'ai mis en mandat, comme ça on peut faire des bonnes play après. Ouais, bah ouais. Mais y a pas de problème. Bah, c'est pas du tout RP de rouler sur les andins. Ouais, c'est sûr qu'ils évitent. Mais ouais, en général, ils essaient. Mais des fois, t'es obligé, hein. Ok, donc on arrive au champ, on enlève les gyros. C'est parti. Le semi, tu. Ah ouais, t'as déjà vidé une fois. Il est où le semi? Il est dans le champ en fait. Ok. Bah genre là, en vrai, il laisse pas dans le champ parce que ça tasse la terre. Moi aussi. Alors. On va remettre les gyros en fait. C'est parti. Attends, par contre, je vais me mettre un peu là comme ça. Hop, tac. Et on va mettre la barre de coupe. Ça se remplit vite quand même. Hein. Ah ouais, bah trop. C'est quoi, c'est du blé? Ah bah ouais. Alors, on va. Bah, je crois que tu peux pas faire de balles de paille dedans de toute façon. De balle de paille. Tu peux faire d'andin avec de l'orge. De l'orge, si, c'est avec le colza que tu peux rien faire en fait. Bah avec l'orge, je peux faire une balle de paille là. Avec l'orge, oui, ouais. Ah bon? Enfin, c'est pas de la paille, je sais plus ce que c'est en fait. C'est à Par quoi? contre, t'as désactivé la fanaison des cultures? Ouais, c'est bon, nickel. Allez, bon bah moi je commence. C'est parti. Hop. Est-ce que j'ai activé la coupe en ondin? Ah non, j'ai pas activé. Allez, hop, activé. Nickel. Bon, et bah ah non, ça va en fait, le champ il est pas non plus énorme. Comparé à l'autre. Ouais, comparé à l'autre, c'est sûr. Ouais. C'est Bah incomparable. là, tu sais quoi, tu peux commencer le détourage dans. À l'opposé de moi, non? T'es où, toi? Bah regarde où je suis, tu prends l'autre côté en fait. D'accord. Parce que là, si tu fais des allers-retours comme ça, tu vas faire plein de demi-tours et c'est pas terrible. Putain, oh! Déjà 33%. Ça monte super vite, hein, je te dis. Un tiers de la mousse-batte remplie en une moitié de champ. C'est quand même de la dinguerie. Ouais, bah là, à mon avis, il y a mis de l'engrais. Ah ouais, en plus, ouais. Ouais, je pense. Parce que ça, c'est un champ semé de base. Et donc, ouais, il met toujours de l'engrais. Ouais, donc je joue toujours pas avec mon volant parce que c'est un Sous petit peu très bon à technique. dire. Ouais, bah, il faut poncer le truc, quoi. Ouais, mon volant il rentre pas sur mon bureau en fait. Oh mince. Et du coup, des fois, tu le regardes. Bah ouais. Non. C'est quand même ballot. Hein. C'est quand même ballot.
Ok, j'ai fini ma première longueur, 75%. C'est Ok. génialissime. Ah. Et non, on n'a pas pris de transbo par contre. Non. Oh, ça aurait été une bonne idée. Enfin, avec un champ comme ça, non, en fait. Alors. Putain, comment elle est longue la buse en plus. Ah ouais. Quand elle dépasse, c'est embêtant. Allez, on est reparti. Et donc, à venir aussi sur la chaîne, il y a un court-métrage qui va arriver pour Noël. Donc voilà, on vous en dit pas plus. En tout cas, le scénario est terminé. C'est vraiment cool. Ouais, trop. Bah après, vous verrez. Enfin, en tout cas, c'est vraiment plus. C'est vraiment plus une histoire, quoi. Parce que le premier qu'on avait fait, c'était vraiment la vie réelle. Comment. Voilà, la vie réelle. Alors que là, c'est vraiment plus un personnage. Un personnage, quoi. Ouais, c'est un personnage. Enfin, vous verrez. Ah, 100%. Punaise. Le Et but tout étant pour. de faire passer le moral. Ouais, voilà, donc vraiment un vrai but derrière. Alors que le premier, bah, y a pas vraiment de morale à tirer. Bah, c'est le but, c'était de vous remercier pour cette première année. Ouais, mais je veux dire, en morale, il n'y avait rien. Ouais, c'est Et on normal. vous remercie encore parce que on est vraiment content. 70 abonnés, ça devient vraiment énorme. Je pensais jamais arriver là, sérieux. Ouais, bah surtout en si peu de temps. Bon, en me lançant sur YouTube, je pensais pas arriver à 70 abonnés, quoi. Bah ouais, déjà en si peu de temps et ensuite avec de la simulation. Parce qu'il y a des gens, ils font 200 000 vues, mais c'est genre des fakes de Cyprien, enfin des trucs comme ça, il y en a plein. Je me suis dit, oh, on n'est pas connu, on est deux petits gars, deux Et petits en fait. mineurs, enfin des mineurs, du Nord, tu Non mais. Le cliché là. Non, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'on a comme chance d'avoir des gens qui s'intéressent à nous, autres que nos potes, quoi. Ouais. Et en fait, bah, je suis vraiment content, parce qu'on connaît plein de monde, du coup. On connaît un Ah, c'est super. Suisse, Valentin qui habite, je sais pas où, à Nantes, non? Non, c'est pas Il Nantes. habite dans le centre, je crois. Ouais, Il bah. habite attends, dans le 87, donc c'est je sais plus ce que c'est. Donc c'est vraiment sympa de connaître des gens. Ouais, à l'autre bout de la France. Ou même pas en France, hein, il y a même des Anglais, etc. On est vraiment content. Ouais. On pensait pas que ça attirait tant de personnes, en fait, la simulation. Encore quand je vois des grands youtubeurs comme Galax, tout ça, qui font des simulations, mais vraiment, c'est vraiment pourri, quoi. Et pas de dénigrement. Non. Je n'aime pas. Mais ouais, c'est sûr que la simulation, ça touche vraiment. Beaucoup moins de personnes que le gaming tout simple avec Et Zelda, on des s'en trucs. sort quand même. Ouais. Mais nous c'est vraiment pas. Ça nous. Et je Ça vous nous. rappelle que la chaîne n'est pas à but lucratif. Donc c'est pour ça Ah non? que vous verrez jamais de pub dans notre compte. C'est. On n'a pas motivé. Et si y a des pubs, de toute façon, c'est C'est YouTube. Google. C'est Google ou YouTube qui l'a mis tout. Bah, de toute façon, c'est la même chose qu'il a mis tout seul. Donc. Alors, le SMI, il a combien par contre? Il est à. On aura beau avoir beaucoup d'abonnés, on n'utilisera jamais cette chaîne. Ouais. Parce que vraiment ça m'énerve depuis le début des vidéos. Ouais, bah surtout que avant c'était moins de temps, maintenant c'est 15 secondes quoi, c'est énorme. Je sais pas que ça va faire dans la vie, quoi. Pour je veux dire pour regarder une vidéo de 5 secondes, tu t'as une pub de 15 secondes mais c'est du délire. Enfin voilà. Et te dire que aussi simplement les gens se font de l'argent, bah c'est voilà quoi. Enfin, après c'est pas de la faute des youtubeurs, hein. C'est YouTube qui propose de l'argent, on crache jamais sur de l'argent, c'est sûr. Après, il y en a qui ont fait leur métier. Ça, je crache pas Ouais. dessus. Bah ouais, c'est sûr, mais enfin perso, je suis pas pour. Mais de toute façon, c'est pas de leur faute, c'est la faute de YouTube, hein. C'est parce que le salaire, il est pas non plus dégueulasse, hein. Bah, 3 centimes par pub, faut arrêter. Ouais, bah surtout les vues. Non, mais franchement, le salaire est pas dégueu. On dit, ils sont non, pas non plus hyper bien payés, mais le salaire est pas dégueu, honnêtement. Sauf quand tu commences. Quand tu commences, ça doit être horrible. Mais bon, arrêtez, parce que quand tu fais YouTube, tu fais quoi comme étude? Tu peux limite t'arrêter, tu t'arrêtes en troisième, en fait. Tu peux t'arrêter en troisième. Non, hein, c'est 16 ans, hein, l'âge minimum. Ouais, donc tu t'arrêtes en seconde ou en première? Je Enfin, sais plus. seconde. Ouais, seconde, donc tu t'arrêtes en seconde.
Et voilà, et à partir de là, tu peux faire un métier. Tu peux faire un métier où tu te fais un salaire correct. Bah, c'est pas juste quoi. Pour déjà se faire connaître, c'est très dur la loi de YouTube. Ouais. Bah, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment. Même pas progressif, c'est vraiment. Ça augmente de plus en plus en fait. Ça augmente, mais de plus en plus en plus. Je sais pas comment dire. Entre 2000 et 2007, à mon avis, ça c'était la bonne place à prendre. Ouais. Nous, on est tombé pile au milieu. Après, il y a les retardataires qui arrivent que maintenant. Ouais. Mais ouais, par exemple, quand on avait 10 abonnés, bah, les abonnés, ça montait plus lentement. Mais tant qu'on en a 70, bah là, ça fait 2 jours, ça fait 2 mails qu'on reçoit comme quoi des 2 personnes se sont abonnées. Et on les remercie, j'ai plus leur nom en tête. Enfin bref, ça c'est Attends, vraiment. j'ai mon téléphone à côté. C'est vraiment rapide. Bah, je suis mon iPod, mais j'ai pas la batterie qui va avec, tu vois. Alors, attends. En même temps, j'ai un Alors, petit peu bougé. mail. Attends, je l'ai. Par contre, c'est dans supprimer. C'est Ah oui. Danut Roman. Et l'autre, c'est. Merde, je sais pas où il est. L'autre, je sais pas qui c'est. T'as dit qui? Danut Roman. Ah oui, puis il y en a un autre, je te l'ai montré tout à l'heure. Ouais. T'es sûr qu'il Ouais, était supprimé? je sais pas où il est. Bah non, y a pas l'air. Y a pas l'air. Ah non, c'est Kenny Rusher. Il a pas été supprimé. Ah ouais, il est là. Ouais, Kenny Rusher et Danut Roman. Donc merci à vous de nous avoir Merci à vous deux. rejoints et bienvenue. Et aussi un petit coucou à Corentin, notre abonné que je connais en personne. Un joyeux anniversaire à toi. Ah, c'était quand? Bah c'est aujourd'hui hein, le jour des attentats. On pense aussi à eux. Le jour des attentats? Bah le jour des attentats. Il est né le 11 septembre 2001. Ah ouais. Ah ouais, on est le 11 septembre, je vais pas percuter. Ah bah oui. Ah ouais. Voilà. Si tu veux, Ouais. on fait une petite minute de silence. Non mais ça me fait pas trop rire en fait. Bah, c'est pas question de rire, mais faire une vidéo de YouTube pour faire 1 minute de silence, ça n'a pas d'intérêt en fait. Et ouais donc il est né aujourd'hui, enfin il y a 14 ans. Et bon anniversaire à toi. Ouais, bonne nuit. On fait les dédicaces. Alors tac, je vais où vider le blé? Dans. Bah Bah, regarde ce qu'il y a comme le prix. truc le plus cher alors qu'on cheat quand même notre argent MDR. Bah, c'est pour faire semi-réaliste. Réaliste. 530, 530, 557, Ah 530, 583. stock-le, hein. C'est hyper pas cher. Hein. Sérieux? Mais ouais. Ouais, bah ils disent qu'il est rouge et flèche du bas. Je stocke. Attends, je regarde. Ah bah, tu m'étonnes. Attends, je regarde. C'est où? Mais ouais, c'est hyper pas cher, 530. Ça vaut rien du tout, hein. Mais en vrai, ça vaut pas 530 la tonne. En vrai, c'est moins cher. Hein. Ouais, j'ai pas. C'est pour ça que les agriculteurs, en partie, ils font des manifs. C'est Ouais, ils moins font des cher manifs parce surtout que. pour le port et tout ça, pour le prix du port, faut arrêter. Ouais. C'est parce que les industries, elles bradent tout, quoi. Non, les grandes surfaces. Ouais, les industries. Ouais, bah elles veulent tout pour 0 centimes. Et du coup, bah, les petites exploitations, bah, heureusement, il y a des coopératives, donc elles survivent parce qu'il y a des gens qui veulent acheter de la qualité, mais sinon, les gens qui n'ont pas l'argent, et bah, ils achètent des trucs en grande surface et les prix, ils sont hyper bradés, quoi. Les Et en grands-parents. plus, la plupart du temps, ça vient pas de France, hein. Bah oui, en plus. Ouais, donc c'est sûr. Faut les comprendre, quoi. C'est quand même. La France, elle est quand même vraiment pas mal au niveau de l'exportation agricole. Hein. Ouais. C'est pour ça que c'est important, quoi. Bah ouais, on a des sacrés liens quand même. Bah ouais, trop. Bon, bah, je t'attends, du coup. Bah j'arrive dans quelques secondes. Je viens d'ouvrir la grille pour vider là. Hop. On est juste là. Je fais un petit credo parce que sinon j'arrache la gouttière du hangar. Alors, je vide. Ah, il y a des petits champs à côté, ils sont sympas. Ils sont un peu. Comment dire?
Il y a un peu des formes et tout, c'est bien, c'était sympa. Il y a du concept. Alors. Ah, il y a du grillage là. Je l'ai pas vu. Alors, on en est où du champ en fait? On en est à. Où est-il? On est à combien de temps de vidéo, tu penses? Ah merde, zut, pardon, on n'a pas regardé. 20 minutes, 20 minutes. Donc je pense qu'on va faire une vidéo de 30 minutes et refaire On une a de. commencé, on était à 7 minutes de Skype. Non mais même on a commencé 22h. On fait combien de temps? 35? Ouais, 35 c'est bien. Comme ça on pourra refaire une deuxième et éventuellement une troisième. Ouais, le troisième serait. Bah on verra. C'est toujours bien parce que ça fait toujours du rap quoi. Et plus si affinité. Ok, bon bah je. Ok, t'es juste là. Vas-y, bah, mets-toi là. La bâche. Nickel. C'est bon, là, je suis en intérieur, je Ah vois. non, non, c'est pas bon. Faut que tu décales vers la droite. Mais beaucoup, hein. Ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Je suis en Avance, avance. intérieur, guide-moi. C'est bon, stop, stop, stop. Nickel, c'est bon. Ok, nickel. Et donc ça doit nous faire pas mal en blé, hein. Combien de tonnes on a à la ferme? 460 000 litres. Donc 460 tonnes. C'est un peu 400 beaucoup. tonnes, ça va. Bah non, ça fait pas mal quand même. Ça va. En comparaison, le max qu'on a derrière, c'est 54 tonnes. Il y a 400... 400 tonnes, c'est ça? Ouais, 460. Moi, c'est une coopérative. Ouais, sauf que là on est seul. Dans une ville paumée, se nommant Holzeden. Ok, c'est bon. Allez, on est reparti. On a les gyros par contre. Alors, j'en ai été où? J'essaie de rouler entre les roues, enfin les andins entre les roues. C'est pas facile. Étant donné que les engins ils glissent, mais comme pas possible. Bah moi il glisse pas. Hein. Ah, ma mousse-batte, elle glisse de fou. Genre, essaye. Tu braques à fond d'un côté et tu braques à fond de l'autre juste après et tu vois comment tu dérapes. T'as l'impression que t'es sur de la glace et non pas sur de la terre. Mais c'est pas du tout réaliste non plus de braquer à fond d'un côté et de l'autre direct. Bah, si, imaginons t'as une manœuvre complexe et du coup, tu vois. Bah tu prends ton temps, t'es en engin agricole. Non, mais même. Je veux dire, les agriculteurs dans les champs, ils tracent quand ils vont vider leur trémie. C'est ce que je fais aussi et c'est intenable. La moissonneuse, elle part dans tous les sens. Surtout avec ma manette qui est pas précise. Mais ils devaient faire comme ETS. Ils font une mise à jour et puis comme ça, ils corrigent tout ce qui est glissade. Parce qu'il y a des tracteurs, ils sont impossibles à conduire. Je sais C'est pas là relou. quand la prochaine est prévue de. Je sais pas du tout. Bah, je sais que la 1.3 a rien apporté, comme ça c'est clair. Bah Il paraît si que. louer un serveur dédié. Ouais, bah c'est encore une question de thune, quoi. Mais il paraît que au niveau du bois en multi, ça marche mieux. À vérifier. Enfin, en tout cas, le bois, nous, ça fait bien longtemps qu'on a abandonné. Hein. Super, on s'est dit. C'est bien pendant 2 semaines et après c'est chiant, quoi. Autant acheter Bûcheron Simulator, c'est long. Ça existe aussi ce truc. Bah oui. C'est ouf, hein, il y a Tu veux plein que je te de. cite tous les trucs simulateurs qui existent? Ah ouais, il y a plein, j'en ai vu, j'ai. Bah, t'as Car vu God Simulator, Simulator? Police. Quoi? God Simulator? Ouais, je l'ai. Non. Si? Ou t'es une chèvre? Ouais. T'aimes bien? Ouais, de quoi? T'aimes bien? Non, c'est nul. Bah, en fait, je l'ai pas. C'est parce que il était gratuit là pendant un moment sur l'App Store. D'habitude, il y a 5 euros. Non. Si, 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 Sérieux? je te jure, il y avait un code promo App Store donc à 0 euros. Et je l'ai pris, en fait, j'y avais jamais joué. T'aurais pu me le dire. Et en fait, t'es une chèvre et tu fais des combats, je sais pas quoi. Enfin, c'est. Je vois pas pourquoi il y a un simulateur dedans, en Et fait. tu sais qu'il y a aussi Toilet Simulator. Ouais, bah, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. C'est horrible. Bientôt, il va y avoir Simulator, Simulator, le simulateur de simulation. Non, mais c'est ouf, hein. Wow. Mais bon, je veux dire. Un toilet simulator, ça vaut pas un bon farming ou un bon retruc. Hein. Ouais, bon, ça. Y a quand même des jeux cultes. Hein. Ça vaut pas le même prix non plus, quoi.
Ouais, c'est sûr. Bah, Euro Truck, 20 hein, euros. Comment? Euro Truck, 20 euros, ça va. C'est pareil. Ça passe, ça passe. Mais bon, quand t'as pas le multi, ça fait mal au pied. Ouais. Ça, c'est sûr. Donc, ok, déjà 90%. 96. Ah, ok, bon, on va aller vider en même temps, je pense. 100%. Allez. En plus, quand tu t'arrêtes, il y a encore un temps pendant lequel elle fait les andins. Bah oui, tout le temps, même en vrai. Ouais. Ah, mais c'est sûr, parce que tu dois rester sur place, sinon après tu fais des andins dégueulasses. Ouais. Et pour ramasser, c'est horrible. Alors, on va faire une petite marche arrière. Nickel. Voilà, trop bien. Et bah, je pense que le SMI va bien souffrir, hein? Ouais. Alors, 38, 39, 40. Ça va, il souffre moins que prévu. J'espère qu'à fin. Ah, bien vu. 50. Ok, 50. tu laisses ta masse batte tourner, toi. C'est hyper Ah. dangereux. Bah non. Bah non, en vrai, ils font ça, hein. Mais non. Mais bien sûr que si, hein. Quand ils doivent aller vider leur mouse bat, ils arrêtent pas le batteur. Hein. Enfin, ça dépend. Si tu dois. Ça dépend. T'arrêtes pas le batteur si tu fais venir un camion. Mais si tu dois partir, t'arrêtes le batteur. Mais sinon, il l'arrête pas. Hein. Sinon, après, ça refroidit et tout. C'est un truc de malade. Hein. Pour démarrer une moissonneuse et te faire tourner le batteur, c'est un truc de malade. Faut le laisser tourner 10 minutes à 3000 tours. Face à un... On dirait un peu les essais moteurs en aviation en fait. J'ai vu, c'était sur une machine à pommes de terre dans la cave. Oups! Pardon. Ok. Mais c'est toi qui as avancé, non? Vas-y, klaxonne. Tu crois que tu me fais peur. Bah Ah, mais en fait, j'avais fait mon aller, donc ça va. Bah en plus tu fais quoi? Bah, c'était pour être sûr. Parce qu'après, sinon, on pourra attraper une allée, c'est sûr. Ok, on est reparti. Voilà, Alors, je pense qu'on aura. Ça va juste de terminer le champ en vidéo. Hein. on a 10 minutes. Ouais. Bah, je dois aller. Dans 3 minutes. Pendant 1 minute, dans 3 minutes, je suis pas là. Ah oui. Et sinon, sinon voilà. En tout cas, ça fait du bien de retourner sur Farming. Bah ouais, puis de retrouver mes abonnés aussi. Parce que punaise, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Pareil. Dernière ouverture, c'était marqué dans le Finder avril ou quelque chose comme ça. C'était. J'étais que sur du Hero 3 et du Leader 3. D'ailleurs, faudra que je fasse l'épisode 2. Faudrait que tu Et me que je te le donnes. file. Ouais. Enfin, que je réussisse à te le filer. Mais on va bien réussir. Bah on se voit quand demain, ouais. Demain, ouais. Bah, de toute façon, il y a les remises des diplômes pour le BIA. Ah, j'ai pas vérifié à quelle heure c'est. Je vais demander en descendant. Mais ouais, après, ça dure pas une après-midi quand même. Si quelques heures. Oh là là. Et genre, c'était comme en CM2, là, on va sur la scène et on reçoit notre dictionnaire et on est tout content. Ah, ce serait trop bien ça. Bah, moi je pensais que c'était comme ça, non? Ah, j'en sais rien. J'ai jamais fait de remise de diplôme. Bah, moi c'était la seule que j'ai faite. C'était un truc où c'était le maire qui te remettait, avec tout son jury là, qui te remettait un Ouais, bah dictionnaire. à mon avis, ça va être André parce que c'est le président. C'est le président de quoi? Bah, du club. Ouais. Tu savais pas? Bah, non, je savais pas. Bah, non, je savais pas. Il l'a dit en début d'année et puis il marquait sur les papiers officiels. Ouais, bon, ça reste une remise de diplôme. En Marqué fait, il. André Bip. Ah, mais en fait. André, il marquait aéronautiquement André, son de famille. Et Ouais, j'ai vu. Ouais, le aéronautiquement. président. Ouais, il dit pas cordialement, il dit aéronautiquement, oui. Ouais, Il est vraiment trop c'est puissant ça ce quand mec. t'es passionné. Mais ce que j'allais dire, c'est que. Oui, Baptiste. G. Ouais. Baptiste G, il va savoir que. Enfin, ses parents vont savoir qu'il a pas le BIA.
Je sais Sauf pas s'ils si, envoient un voilà. courrier ou quoi. Sauf si, lui a... Sauf si il leur a pas dit qu'il y avait un... une convoque. Ah là là. 84% déjà. Dans une minute, je dois être absent. Dans une... Pendant une minute. Ah, je suis plein. Ouais, pareil, 110. presque. J'essaie d'aller à 99. Mais c'est hyper chaud parce que le temps de freiner et tout. Par contre, j'aurais bien aimé qu'ils enlèvent dans cette mise à jour là le fait que la moissonneuse elle s'arrête toute seule quand t'es à 100%. J'aime Ah pas ça. oui. Ça c'est chiant. Parce que pour l'ancileuse, ils l'ont bien enlevé, hein, ça, on le sort. Ouais. T'as beau pas avoir des remorques, ça fonctionne quand même, ça le jette dehors. Ah c'est. Ouais, mais ça a toujours été comme ça. Alors que dans Farming 2013, c'était pas comme ça en tout cas. Si. Bah en tout cas j'utilisais une lection en mode et qui était pas comme ça. Ah oui, la leçon, c'était trop bien. C'est. Ah je m'en souviens quand je te l'avais fait voir pour la première fois. Ah c'était des bons modes qu'on revoit pas sur Farming 15 d'ailleurs. Ah, la haie des Newtons, j'aimerais trop la voir. Oh ouais, punaise. Ça fait bizarre rien que de dire et des Newtons. Ah ouais. Ah ouais, punaise. Que des rangements dans cette map. Mais. Ah ouais, elle était bien. C'était pas forcément Ou Land of Italy, punaise. C'était vraiment une bombe, elle. Sérieux? Moi, j'y ai pas joué souvent. Bah, en fait, tu sais que t'abusais pas totalement déployé. Et, Quoi? ouais, Land of Italy, en fait, elle était hyper connue et je l'ai jamais essayé. En fait, j'ai essayé une fois, elle est vraiment hyper bien. Ouais, j'ai essayé une fois. Mais, en fait, il y avait un problème, c'est que quand t'allais à un certain endroit sur la map, bah, elle plantait. Enfin, je sais pas pourquoi. Voilà. Bon, je suis absent pendant une minute, top chrono. Ok. Merci de ne pas démarrer. Donc, nous, on va aller vider ça. Bah, la ferme encore. Donc, on a 159 tonnes, c'est ça. 59 tonnes en plus, donc 400 tonnes comme avec Exodus tout à l'heure. Donc, ça nous fait quand même un beau paquet. Hein. 400 tonnes, ouais. Je vois rien. On verra ça plus tard pour le revendre parce qu'on a du tout en charge avec le man et tout. Voilà. Ouh, ok. J'aurais déjà. T'es déjà revenu? Vous l'attendiez tous, et il est là cet été, le beau gosse. Merci, au revoir. Ok. C'est ce qu'on appelle une entrée fracassante. Ah, mais tu t'es barré avec le SMI? Ouais. Et donc, j'ai pensé tout à l'heure, là, on pourrait faire un comparatif de Farming 2013 et 2015. Ah ouais. Ah ouais, bonne idée. On superpose les deux images, tu vois. Ouais, mais non, ça va faire moche. Non, mais superposer sur l'écran, il sert en deux, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, ce serait bien. Ce serait compliqué parce qu'il faudrait faire plein d'aspects différents, mais ouais, ce serait bien sinon. Comment c'était la moisson avant sur 2013, tout ça? Ouais, ce serait bien. Bon, par contre, ça va être long à faire, je pense, quand même. Bah, je trouve ça pas mal. Le Ouais, puis menu. après, puis il y a pas mal de montage, donc c'est cool. Le menu, comment il était présenté avant, tout ça. À part avoir un Ouais, agent, ça toi. fait. En plus, ça fait une vidéo inédite, hein. Ouais. Je pense qu'il n'y a jamais eu ça sur YouTube. Je pense pas. Non. Ouais, c'est une bonne idée. Ça fait 1 000 ans que j'ai pas ouvert Farming Simulator 2013. Oh, mais pareil. Surtout qu'il est long à s'ouvrir. Moi, je sais plus. Mais le 13, c'était un bon jeu, franchement. C'était vraiment un bon jeu. Ouais. Le Mais 2011 le. et le 2009 n'étaient pas exceptionnels. Ouais, en fait, c'est à partir du 13 que ça a commencé à devenir intéressant. Et le 15, en fait, ça a vraiment. Giant, ça fait en sorte que ce soit ouvert au grand public en fait. Et donc du coup, bah, il y a plein de gens qui s'y ont mis. On est à 1 000 000, je Et crois. ouais, il y a vraiment beaucoup de gens. Et du coup, bah, en fait, à sa sortie, j'ai lu qu'il avait été plus vendu que Call of Duty Ghost. Enfin, c'est vraiment ouf. Et ouais, ça permet à plein de gens de qui s'y connaissent pas quoi, bah, de jouer à des jeux de simulation et c'est plutôt cool. Moi, qui s'y connaissent pas, qui se connaissent pas, pour quand même s'y connaître pour faire farming. Ouais, mais bah, je veux dire, quelqu'un qui s'y connaît pas du tout au début, bah après il s'y fait, hein. Oui, mais c'est très bien expliqué parce qu'il y a un manuel d'utilisation qui explique très bien comment ça se passe. Ouais. Mais c'est pour ça, c'est ouvert au grand public, quoi. C'est vraiment pas.
Parce que en plus dans farming, il y a pas tout, y a pas tout ce qu'on peut faire en vrai dans l'agriculture, même s'il y en a une grande partie. Il y a la majeure partie, on va dire. Ouais, il y a la majeure partie. Mais après, comme on a vu tout à l'heure, il y a le décompacteur. Il y a des modes pour faire ça, mais en fait, ça, sur la terre, ça fait comme si tu déchaumais. Ouais, c'est Donc ça. Ouais, il y a pas l'aspect de la terre qui est... voilà. Alors que en vrai, c'est différent de décompacter et de déchaumer. Et de Et c'est passer à la pas. charrue. C'est pareil pour la herse rotative. Ça fait comme si tu passais le déchaumeur en fait. Et donc c'est pour ça que. Mais bon, on va voir ce que nous réserve le 2017, hein, même si c'est dans quand même 2 ans. Mais bon, on va voir. Ce sera dans un an en fait. On peut toujours être bien surpris, mais. Dans un an il sort. T'es parti avec le SMI? Je suis revenu. Ah, ok, d'accord. Hein? Dans un an pile il ressort quoi le 2017. Ouais, parce qu'ils sont. Ouais, c'est en septembre et puis ils sont. Ah non, en avance en fait. De toute façon tu iras à Paris Games Week l'année prochaine. C'est quand? C'est en septembre. Ouais, c'est la date que tu veux en fait. Ouais, bah je verrai. Bah là j'y vais comment en fait? Attends Bah, parce tu que vas dans pas longtemps normalement. j'essaie de trouver mes clés mais elles sont pas à ma portée. On se met dessus. Ok, j'ai pas mes clés sur moi. Normalement, tu vas dans pas longtemps du tout même. Ouais bah je crois que c'est en octobre mais en fait les invitations elles sont dans le meuble qui est fermé à clé. Ah bah non c'est bon les clés sont sur le meuble. Mais de toute façon, je vois pas ce qu'on peut attendre de Giants à la Paris Games Week de cette année. Ok merci. Ok. D'accord, je rentre. Parce que Là, attends, honnêtement, je sais pas ce qu'il va y avoir. j'ai perdu mes places. Non. Si. Non. Si. Non. Je sais pas où elles sont. Non, t'as pas vu ça quand même. Bah, j'ai déménagé. Elles doivent être. Parce... Elles sont dans une pochette plastifiée. Ah là là. Ça, c'est vraiment de la fortitude. C'est pareil, je suis un Hippolyte, il m'avait dit 90. Hippolyte Leban, donc qu'on remercie toujours pour La Palme d'Or. bah, la palme d'or bah, du comment on peut dire de la jalousie de l'année, hein, on peut le dire, hein, Oui. mais qui cherche à pourrir la chaîne, hein, avec ses commentaires de En plus, gamin. je comprends, tu fais des tours de chant, toi, en fait. Ouais, j'aime bien, ça fait un peu, tu vois, ça me rappelle un peu l'athlétisme, donc j'aime plutôt bien. D'accord. Bon, je commence à chanter, j'ai envie de te dire. Ouais, parce que c'est la vidéo tu Donc, chantes bah, en les fait. amis, vous pouvez nous retrouver, hein, comme à chaque fois, bah, sur notre site, letsimulatefr.url.ph. Rien de plus simple. Sur Twitter, letsimulatefr, sur Skype, letsimulatefr. Par mail. Par mail, hein, letsimulatefr@gmail.com. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Trabel, hein. Exonis égale Excel Online, enfin chacun a ses pseudos respectifs. Jeuxvideo.com Non, banni. c'est fait bannir. Ouais. Et donc, bah voilà. Je pense que de toute façon, il y a suffisamment de moyens de nous joindre. Enfin, par Skype, par mail et par les commentaires, c'est le meilleur. Sachant que vous pouvez retrouver tout ce que je viens de dire dans la description. Rien de plus Comme simple, en bas de la d'habitude. description, vous avez un petit texte, il est tout noté dedans. Et bah, moi je vous dis salut à tous, et c'était vraiment une super vidéo. Salut à tous.